the back of your vehicle straight now. Yeah, because you're jackknifing. So turn to the right. You right? Want us like straighten out. So yeah, put it in drive this way. You're up on the curve. You gotta straighten out your car. J'ai cru que c'était un singe. Maman va casser le drapeau. Maman va casser le drapeau. Keep going. Oh maman, voilà. Non, c'est bon. Start turning, you know, so that the thing goes and so you're on va se garer quelque part, no parking anytime. On va essayer de se garer déjà quelque part. Je pense qu'on peut se garer derrière le bus. Peut-être on peut se garer derrière le visitor center. Non, c'est devant, on va marcher. Attends. Mais je trouve que j'ai une place ici un peu, regarde. Il y a la glace. Oui, il y a peut-être la glace, je vais essayer de la prendre. Tellurid est une ville victorienne et minière fondée en 1800. Et maintenant, c'est une ville internationale connue pour son festival d'été et sa station de ski. Ici, voilà, c'est les stations de ski, c'est les ski resorts très populaires. C'est une ville qui attire énormément des milliardaires, des célébrités très très chères, perchées dans le retour des montagnes. Tellurid, est-ce que tu connais par rapport à son histoire? Son héritage inclut aussi le braquage de banque qui a eu lieu le 24 juin 1889, qui a secoué toute la ville avec le gang de Cassidy. Voilà, tout le monde en a parlé, donc c'était le gang de Cassidy et les White Punch. Donc c'était un gang connu, influent à l'époque, quoi. Donc voilà, ça fait partie de ça. Toute la
année dont Telluri vous offre les festivals, les événements culturels, les logements, les rites historiques, les ghost towns, les villes fantômes. Voilà, c'est une ancienne ville minière, donc voilà, vous trouverez des villes fantômes de mine tout le long de l'année. Donc vous avez voilà, les 4x4. Comme vous savez, Telluri est entouré de plusieurs fortuneuses. Ici, on note entre 4 et 7 fortuneuses autour de Telluri. Et en plus, il y a beaucoup de tortuneuses. Voilà. Souvenez-vous, les fortuneuses, c'est plus de 4500 de haut. Et Telluri est entouré par les pics, qui sont des fortuneuses. Il y en a au moins 4 que moi je connais, mais apparemment, il y en a 7 fortuneuses autour. Et les tortuneuses, il y en a des dizaines aussi. Donc Telluri, c'est vraiment une ville montagneuse très, très élevée qui a plus de 14 000 filles tout autour. Voilà, donc on s'est arrêté ici pour vous faire partager ce petit paradis en paysage. Voilà, donc en fait, c'est l'histoire de la ville. Comme vous savez, c'est une ville minière, c'est une ville d'ivoire, c'est une ville du zinc, c'est la rue vers l'or ici. Ici, c'est très, très riche. J'ai cru que c'était un singe. Maman va casser le drapeau. Maman va casser le drapeau. Oh maman, voilà. Non, c'est bon. Beaucoup de célébrités ont des maisons ici, beaucoup de gens influents ont des maisons ici. Voilà, c'est surtout, moi je suis arrivée en début novembre, c'est un tout petit peu calme parce que beaucoup de magasins sont fermés, mais en général, ça va reprendre vers Thanksgiving. Mais la période vraiment où ça marche super bien à Telluri, c'est surtout Thanksgiving et janvier et février. Après, il faut pas, après, ça c'est l'été, à partir du mois de, on va dire,
avant même le mois de juin, déjà, à partir du mois de mai, avril, mai, ça commence à bien marcher. Si regardez comment la ville est jolie. On vient de le traverser tout à l'heure, c'est plus de 12 feet. Vous voyez, donc on est toujours dans les montagnes de plus de 4000 de haut. On a le mont Wilson qui est à plus de 14000 feet. On a le Wilson Peak, voilà. Ça, c'est les Fortuners, ça, c'est les Fortuners parce que c'est plus de 14000 feet, les deux là. Celui-là, c'est un Fortuners. Voilà, on vous montre. Il y a un autre de ce côté, ils n'ont pas montré tout sur ce tableau-ci, mais Tellerie de compte pour qu'on ait 4 Fortuners ici qui sont plus connus et plusieurs Tortuneuses. Voilà, donc c'est l'histoire de la ville. Et décembre et janvier sont les mois populaires aussi pour ceux qui font du ski, pour ceux qui adorent le blanc, pour ceux qui adorent ces pics que vous voyez de partout. Alors la plus belle saison, bien sûr, c'est l'été, à partir de juin, tout simplement parce que tout le monde peut y accéder, tout est ouvert, les campings sont ouverts, les routes sont ouvertes, beaucoup de routes sont fermées aujourd'hui, beaucoup d'accès sont fermés. On n'a même pas pu voir les quartiers des maisons de stars, tout simplement parce que ben, il n'y a pas d'accès. Et moi, avec mon camping-car, c'est plus difficile encore. Donc voilà. C'est très important de comprendre ça. Telluride, c'est une ville qui vous en mettra plein la vue. Et vous avez tout ce cours-là, vous avez déjà, vous commencez par Durango, d'abord Pagosa Spring, Durango, après Silverton, Ouray, Telluride. Il y avait déjà que Gibson aussi, Telluride et là Dolores. Franchement, vous êtes bien servi. Donc je suis très heureuse de partager tout ça avec vous. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Donc si vous êtes de passage dans le Colorado, n'oubliez pas, prenez le temps. Passez au moins une nuit ou deux dans chacune de ces villes. Mais si vous faites des randonnées, passez plus de 3 nuits. Parce que des randonnées sont vraiment imprenables à couper le souffle. Mais si vous n'êtes pas en randonnée, 2 nuits minimum dans chacune de ces étapes. Quoi. Voilà, nous essayons de sortir en camping-car avant que les neiges ne reprennent. Donc on a passé par exemple 2 nuits à Pagosa Spring, 1 nuit à Durango, parce que je connais Durango, j'y étais plusieurs fois. J'ai passé 1 nuit à Ouray et j'ai passé 1 nuit à Tellerude. Et là je vais sûrement passer 1 nuit à Dolores. Ensuite je fais mes averses et là je peux accéder en Arizona, je serai plus tranquille, j'aurai plus peur d'être coincé par la neige. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on monte à plus de 14 feet, c'est vraiment torride les montées ici. Et les descentes sont très très dangereuses, donc vous ne pouvez pas vous permettre de faire des longues routes dans la journée, il faut rester concentré et prudent. Don't you...